Jedi, en formation! Du terrain. Être ici. Ah, te voilà. Reviens ici. Sois prudent, Cal. Kashyyyk reste très dangereuse. On va où tu veux, sauf sur Datomir. Je hais cet endroit. Datomir, donc. Il est temps que je l'affronte. Oui. Tu es prêt à affronter ton paquet. Et pour vous, Etrilla ? Je ne suis pas sûre d'être prête un jour.
Tu sais ce que tu dois faire pour commencer à guérir, et je suis vraiment fière de toi. Mais ma voix est tout autre. Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. Assieds-toi, petit gars. On va bientôt se poser. Tout ira bien. Tu veux parier sur ce qu'on va trouver comme truc affreux cette fois? Des morts vivants, des araignées géantes, des planteuses? Je reviens tout de suite. S'ouvre pas. Une BD. Ça tombe à pic.
Quelqu'un était ici. Un étranger d'une autre planète. Allez, attaque-moi!
besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'un Steam, là. Allez, va jeter un œil. Ok, BD. Qu'est-ce que c'est? À toi de jouer, mon pote. Va voir. Oh, t'as trouvé quelque chose. Je suis sûr que tu veux aller là-dedans. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai jamais été aussi heureux de voir une caisse. Ça marche. Merci, BD. Tu as eu tort de revenir ici sans armes. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage.
cible. N'as-tu donc rien appris d'autre ? Est-il la clé? Maître, jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. N'oublie pas, la persévérance te montrera la voie. Tu as choisi de revenir. C'est brave, mais imprudent. Peut-être. Mérine, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal. Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu... Je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... Je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous. Et a exterminé mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Malikos est proche. Tu peux encore partir. Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents.
Des enfants sensibles à la Force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Mon ami, je ne suis pas du genre à reculer sur la voie de la connaissance. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Un massacre. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner ? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie ? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas ? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi ? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer ? Il faut penser au renouveau. Toi et moi, nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau. Padawan, même constant. Tes esquives te sauveront pas. J'ai déjoué mon attaque. Essaye pour voir. Encore un. L'esprit vif. Ah, c'est rapide. J'ai rien senti. Que l'ombre d'un Jedi. Vise mieux si tu veux vivre. Tu es pitoyable. J'ai survécu à pire. Ah!
tort de croire que tu pourrais m'aider. Meurs minable ! Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Rien senti. Tes esquives te sauveront pas. Aide-moi, BD. Fais manier le sabre. Tu ne peux rien contre moi. Coup de chance! Qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Éphos, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Merci de m'avoir aidé avec Malikos. J'ai cru que j'allais y passer. Oui, tu allais mourir. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon d'avoir un allié. Ouais, ça me plaît bien aussi. Mais de rien, Cal. Nous ne devrions pas traîner ici. C'est...
on l'a enfin trouvé. Ouais. Alors il existe ? Merrin, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Oui. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Non. Mais... la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant ? Je viens avec toi. Ah bon ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants doivent s'adapter. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra. On ne peut plus avancer. On peut maintenant. Tout à l'heure, c'était toi aussi ? En effet. Je voulais voir ce que tu ferais face à Malikos. Quoi ? C'était un test ? Et tu as réussi. Félicitations. Est-ce que tu vas m'aider ou pas ? Tu t'en sortiras très bien. BD. Thank you.
femme avec qui tu voyages. Qui est-elle? Serré? Attends, qui t'a parlé d'elle? J'ai vu tes deux compagnons. Malikos voulait que je les tue, mais il n'était pas une menace. Serré? Eh bien, elle était un Jedi. C'est une longue histoire. J'aimerais bien l'entendre. Nous ne devrions pas être là. C'est un lieu maudit. N'aie pas peur. Tu dois tenir parole. Tu m'as promis de m'apprendre ta magie. Mes défuntes sœurs. Cet homme nous a promis notre revanche, à condition que je lui enseigne notre magie. Je regrette. Mais je dois m'allier à Malikos. Sœur de la nuit a survécu. Elle a quelque chose de familier. Tu l'as trouvée. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Maintenant, pourquoi pas...
Si on arrive à reconstruire l'ordre, tu crois que les Jedi vont sortir de leur trou? Qu'est-ce qui te fait dire que des Jedi se cachent? Rien, c'est comme ça. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Quand j'étais gamin, on nous parlait d'un maître Jedi légendaire, vert, aux oreilles pointues et... Est-ce que tu veux parler de maître Yoda? Oui, en effet, c'est une légende. Hein? Quoi? Non, non, je veux parler de maître Yaddle. Le membre du Haut Conseil Jedi? Ouais, on a tous des rêves, ok? Touche pas aux miens. Pas de problème. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Changement de plan, on est presque arrivé. Oh, Grise. Ouais? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Attends, je sais que tu vas la voir, c'est Holocron. Très bien, tu t'en souviens? Tu m'accompagnes? Oh non, non, certainement pas, non. Tu sais, je voulais seulement te dire que ces gamins qu'on espère trouver, ils ont de la chance de t'avoir. De la chance de nous avoir. C'est un travail d'équipe, Grise. Je vais pas te mentir, j'espérais vraiment que tu dirais ça, parce que, tu sais, il va leur falloir plus que des tours de magie. Ah oui? Ils ont besoin de concret, il leur faut un modèle, quelqu'un qui les inspire. Piloter un vaisseau, c'est tout un art, tu sais. Enfin, on verra si je reste dans le coin. Je m'en souviendrai. Bien. Bien. Tant mieux. Bonne chance, l'ami. C'est marrant que tout ça se termine où tout a commencé. Ah oui. Je me souviens de la première fois qu'on est venu. Je l'ai déjà dit, mais je pensais vraiment pas que t'étais... Un Jedi? Ça, je dis pas, mais je ne pensais pas que t'étais notre gars. Et maintenant? Maintenant? Jedi ou pas, tu l'es. Tu sais, je pige toujours pas le coup de la Force. Mais ce dont je suis sûr, c'est que toi, t'es un petit gars solide. Merci. Toi aussi. Ouais, c'est vrai. Je fais plutôt jeune pour mon âge. Tout se passe bien avec Meryn? Ah oui, elle me fiche encore la trouille, rapport au réveil des morts et tout ça. Mais tant qu'elle me tue pas... Aucun risque. T'inquiète pas. Ouais, ouais, celle-là, tu me l'as déjà faite et... Et tu es toujours en vie? Pour l'instant. Il t'arrivera rien, Grise. On est tous dans le même bateau.
Quoi ? Hé, éloigne ce droïde de moi. Il va me mettre de l'huile partout ou je ne sais quoi. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Efo y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir ? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes ? Les Jedi que nous formerons contribueront à bâtir une galaxie qui préserve des endroits comme celui-là. Est-ce que ce sera leur choix ou le tien ? On a besoin les uns des autres. Sans les Jedi, pas sûr qu'on survive. Il est de notre devoir de les protéger. J'ai compris, oui. On est clairement plus sûr d'Atomir, là. Non, effectivement. C'est comme tu l'imaginais ? Je veux dire, le reste de la galaxie. C'est si grand. Je réalise que ma vie sur Datomir était restreinte. Ça m'a fait pareil quand j'ai quitté Braca. Le monde peut sembler petit quand on vit dans le passé. Je pense que je vais me plaire à bord du Mantis. Tu ne devrais pas sauver la galaxie ? C'est bien ce que font les Jedi, non ? Cal, tu as une seconde ? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher. L'épreuve de Cordova pour le défendre est périlleuse. Vous avez peur pour moi ? Je ne veux pas être seul à former tous ces novices. Ça ira, Serré. Et puis j'ai BD pour m'aider. Je sais. Mais faites attention. Vous n'avez peut-être encore jamais rien vu de tel. Merci. Je suis prêt. Et BD aussi. Prenez soin l'un de l'autre. Vous êtes prête à affronter la suite ? Oui. Et toi aussi. Je l'ai vu. Tu as beaucoup progressé, Cal. C'est grâce à vous. C'est gentil de me dire ça, mais je ne serai pas dans le sanctuaire avec toi. Si, vous serez là. D'une certaine façon. Contente de t'avoir trouvé, Cal. Bonne chance. Et n'oublie pas, réfléchis avant d'agir. Cordova a dû prévoir une épreuve qui n'est pas à la portée de tous. Que la Force soit avec toi. Vous vous souvenez quand vous m'avez amené ici la première fois ? C'est impressionnant de voir ce que tu as accompli en si peu de temps, Cal. Oui. D'accord, mais on formera ces novices à ma manière. J'ai quelques idées pour leur éviter de mettre leur vie en danger. On ne forme pas quelqu'un à sa manière. L'envie d'apprendre doit être partagée. Merci. Merci pour tout. Je t'en prie. C'est un endroit paisible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux.